cette séance, nous allons travailler le haut du corps. Vous aurez besoin d'un tapis ainsi que de deux paires d'haltères. La première pourra faire entre 500 g et 1,5 kg et la deuxième fera entre 1,5 et on peut aller jusqu'à 5 kg en fonction de vos capacités. On va commencer par s'échauffer articulairement et ensuite, pour le corps de séance, nous aurons 3 tours sur plusieurs exercices. On vient échauffer les poignets. On va surtout échauffer le haut du corps. Okay, on va pouvoir enrouler les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Ok, on va venir échauffer la nuque. On vient faire des grands oui. Puis les mains. On va terminer par réchauffer la taille. Donc on fléchit les jambes, les mains sur les épaules, on fixe bien le bassin et à l'expiration, je viens chercher sur le côté. J'inspire milieu, je souffle, je viens de l'autre côté. Allez, encore 3. 2. De chaque côté. Ok. Alors, on va commencer le corps de séance. Donc, pour ce premier tour, nous allons faire les exercices à vide. Ça complétera l'échauffement. Donc, on vient serrer les poings et on va commencer par un biceps curl. Je monte le poing vers mon épaule et je contrôle la descente. On prend son temps. Comme on n'a pas de charge, on peut nous-mêmes mettre la résistance. Allez, il nous reste 10 répétitions. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et la dernière, et on relâche. Pour l'exercice suivant, on va venir tendre la main au-dessus de la tête, placer l'autre main sur le triceps et venir chercher vers l'arrière entre les deux omoplates. Et je remonte. On fait pareil, 20 répétitions, c'est parti. 3, 4, on a fait la moitié, il en reste 10. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Bras gauche tendu, la main sur le triceps et on vient chercher vers l'arrière. Allez, encore 10. On va venir à présent faire des élévations latérales.
Donc je viens monter l'épaule, là je fais un rebond et je contrôle la descente. On y va? On part toujours pareil pour 20 répétitions, c'est le premier tour et on est à vide. Et on contrôle. J'inspire et je souffle. Allez, on y est presque, il en reste 5, 4, 3, 2, le dernier, et on relâche. On va à présent partir sur un biceps curl en unilatéral, c'est parti. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'envoie la jambe droite vers l'arrière, je penche mon buste vers l'avant, le bras droit vers l'arrière, on vient fléchir le coude. C'est parti. Allez, encore 10, 9, 8, 6, 5, 4. Et on revient, on fait la même chose de l'autre côté, pieds joints, jambes gauche vers l'arrière, on penche le buste vers l'avant. Et c'est parti. Allez, on est à la moitié. 6, 5, 4, 3, 2. On va venir fléchir les jambes, pencher le buste vers l'avant, tendre les bras. Et là, on vient serrer les coudes près du corps et serrer les omoplates. Et je tends. Et je souffle. Je ramène. J'inspire, je tends. Serrez bien les omoplates sur la fin du mouvement. Dernier exercice, on va venir monter un coup de volant à droite, un coup de volant à gauche et on contrôle la descente. C'est parti. Bon, ça aura plus d'allure quand on aura les haltères.
4, 3, 2, et le dernier. Et on relâche. On va pouvoir attraper ses haltères pour le deuxième tour. Pour le deuxième tour, vous allez pouvoir attraper vos haltères les plus légères. Et on va commencer tout de suite avec notre biceps curl. C'est parti. Et cette fois-ci, nous n'avons plus que 15 répétitions. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On pose une des deux haltères. On va venir tendre le bras au-dessus de la tête, mettre la main sur le bras et on vient chercher vers l'arrière. C'est parti. Il nous reste 5 répétitions. 4, 3, 2, 1. On change de bras, même exercice. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On attrape sa deuxième haltère et on va venir faire nos élévations latérales avec le petit rebond. C'est parti. Et en haut. J'inspire et je souffle. Ayez les coudes légèrement fléchis. On imagine qu'on est un pantin et que l'on vient monter par un fil imaginaire notre coude. Allez, encore 5, 4, 3, 2, ça commence déjà à brûler les épaules, et le dernier, on relâche. On part sur notre biceps curl en unilatéral, c'est parti. On part pieds joints, jambes droites vers l'arrière. Je penche mon buste vers l'avant, j'envoie le bras droit vers l'arrière et je viens fléchir mon coude. C'est parti. Faites une belle extension. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Pieds joints, jambe gauche vers l'arrière. On penche le buste vers l'avant. Le bras gauche vers l'arrière. Et c'est parti. Allez, 2, 1. Et on relâche. Et on aura nos élévations frontales avec les coudes volants. C'est parti. Je monte, droite, gauche, et je contrôle la descente. Je monte, à droite, à gauche, et je contrôle. Allez, encore 5 répétitions.
épaules commencent à avoir mal, c'est normal, elles sont bien sollicitées. Et une dernière. Et on relâche, on va pouvoir passer au troisième tour. Pour le troisième et dernier tour, vous pouvez prendre les haltères un peu plus lourdes. Donc pour ma part, elles font 1,5 kg. J'avais que ça sous la main. Donc on va commencer par un biceps curl, c'est parti. Donc cette fois-ci, on sera sur 10 répétitions. Allez, encore 3, 2, 1 et 0. On relâche, on pose une des deux haltères, bras tendus, main sur le triceps et je viens chercher vers l'arrière. Allez, encore 2, 1 et on change de bras. C'est parti. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On peut rattraper sa deuxième haltère. On va partir sur nos élévations latérales avec le petit rebond. Et là, ça va faire mal, on va les sentir. C'est parti. Et rebond. 2, 3, 4, 5. 7, 8, plus que 2, 9, et la dernière, et 10. On va passer sur le biceps curl en unilatéral, c'est parti. Serrez les coudes près du corps et les omoplates. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va à présent passer à nos élévations frontales. Là, ça va être très très lourd, mais on tient bon, on n'a que 10 répétitions à faire. Allez, on attrape ses haltères, je monte, droite, gauche, et je contrôle la descente. Allez, on a fait la moitié, il en reste 5. Plus que 2. On fait la dernière. Ok, on relâche. On va pouvoir passer au sol. Alors, pour terminer cette séance, on va se retrouver allongé au sol et on va commencer par un exercice où on va venir faire le cobra. Donc, c'est un mouvement de yoga. On va venir pousser dans les paumes de main pour se redresser sur le buste et on redescend. On essaye d'avoir le bassin bien ancré dans le tapis. Et on part pour 30 secondes. Allez, vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Et on souffle, on pousse. Je redescends. Et je souffle, je pousse. Si c'est trop difficile, on peut juste remonter sur les avant-bras. Le but étant de bien venir pincer les lombaires. Allez, on continue encore 15 petites secondes. Je suis en bas. Et je souffle, je pousse. En bas. Et on repousse. Ok, on va venir relâcher. Donc cette fois-ci, on va enchaîner sur un Superman. Donc, qu'est-ce que le Superman? C'est un exercice où on va venir mettre les mains au niveau des oreilles. On vient décoller les cuisses et le buste. Et je redescends. On part également pour 30 secondes. C'est parti. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte.
ici aussi, on vient bien pincer les lombaires. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Et maintenant qu'on maîtrise le Superman, on va pouvoir le faire en alterné. Donc je vais venir tendre les deux bras au-dessus de la tête et je viens décoller jambes et bras opposés en alterné. Ok? Allez, vous êtes prêts? C'est parti, 30 secondes. Et j'alterne. Super. Continue comme ça. Encore 15 secondes. On y est presque, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on va partir pour un second tour. Donc on reprend avec le cobra. C'est parti. Je pousse, je remonte et je redescends. Je pousse, je remonte et je redescends. Allez, on continue. Encore 10 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. On relâche. On repart pour notre Superman. Moi, je l'aime pas trop, mais bon, c'est efficace pour les lombaires. Allez, on y va. C'est parti, 30 secondes. Et on redescend. Je préfère le alterner, en fait. Je sais pas vous, mais dites-moi en commentaire si vous préférez le alterner ou le classique. Je suis curieuse de savoir ça. Après, il en faut pour tous les goûts, hein, c'est sûr. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche et cette fois-ci ce sera le alterné, donc bras tendus et c'est parti. Et j'alterne, je décolle, j'alterne, voilà, super. Il nous restera un dernier tour ensuite. Comme ça on aura fait 3 tours. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1, et relâchez. Et le dernier tour, donc on reprend avec le cobra. C'est parti. Et on redescend. Pousse dans les mains, pincez les lombaires, et on redescend. On a les épaules basses, la tête haute, et on redescend. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez le Superman. On y va, les mains au niveau des oreilles, c'est parti. Soufflez bien quand vous remontez. Hein. Allez, c'est le dernier tour. On commence vraiment à sentir bien nos lombaires. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, bras tendus. Dernier exercice de cette séance. C'est parti en alterné. Allez, on continue comme ça, il reste quelques secondes. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Ça y est, cette séance haut du corps est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me faire vos retours en commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite du programme Almost Christmas, votre calendrier de l'Avent version sport. En attendant, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram ShinyFit
et à aller jeter un œil sur mon site internet shinyfit.fr pour ne louper aucune actualité. À bientôt !